17 aliments fabriqués en Chine que vous ne devez jamais consommer. La Chine est le premier exportateur mondial des produits alimentaires. Ce pays utilise des méthodes et des techniques innovatrices pour mettre ses produits sur les marchés mondiaux le plus vite possible et à moindre coût. Sans surprise, plusieurs aliments subissent les conséquences. Voici une liste d'aliments chinois contenant des substances dangereuses que nous devons éviter. Selon l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 2015, la Chine a représenté 14% des exportations mondiales, devant les États-Unis 9% et l'Allemagne 8%. En 2009, Food and Water Watch, une association à but non lucratif, a déclaré que 70% des jus de pommes consommés aux États-Unis proviennent de Chine. Mais malheureusement, ces aliments importés ne respectent pas les règlements et les lois relatifs à la consommation et à l'alimentation. La liste des aliments dangereux importés de Chine à éviter. 1. Le jus de pomme. En 2011, le docteur Memetos a indiqué que les jus de pomme provenant de la Chine contenaient une quantité très élevée d'arsenic. Une autre recherche publiée par le magazine Consumer Report a montré que 10% des jus de pomme échantillonnés dépassaient les niveaux d'arsenic équivalents aux normes. L'arsenic trouvé dans les produits n'était pas organique, au contraire il était toxique et dangereux. 2. Le sel industriel. La Chine est le plus grand fabricant de sel au monde. Des études ont montré que ce sel industriel est impropre à la consommation et contient 90% de substances nocives. 3. La morue et le tilapia. Ces deux types de poisons sont élevés spécialement en Chine. Ils nagent dans leurs déchets et avalent tout au passage, produits chimiques, pesticides, déchets. 4. Le poulet. C'est le pays le plus connu par la grippe aviaire et les maladies reliées aux poules. Pourtant, il exporte des grandes quantités au monde, et spécialement aux États-Unis. 5. L'ail. Les champs d'ail en Chine sont pulvérisés avec des produits chimiques très dangereux et qui laissent un arrière-goût désagréable. 6. Les champignons. Des agents de chloration, du chlorure de calcium anhydre, du sulfite de sodium et d'autres conservateurs dangereux sont utilisés dans la pulvérisation des champignons. 7. Les pois verts. Le quotidien China Daily a signalé qu'en 2010 des pois artificiels fabriqués dans deux usines de la province de Hunan ont été retrouvés. 8. Le poivre. Le fameux poivre noir de Chine n'est parfois que de la boue et de la farine que les vendeurs essayent de commercialiser. 9. Les nouilles de patates douces. Plusieurs usines dans la province de Guangdong ont produit de grandes quantités de fausses nouilles. Elles étaient composées de maïs avec des colorants industriels et de la paraffine. 10. La sauce soja. L'Organisation mondiale de la santé révèle que ce produit est classé comme cancérigène. La sauce soja contient du 4-méthylimidazole, effet cancérogène chez les souris et les rats. 11. Les perles de tapioca. En 2012, des chercheurs de l'hôpital universitaire à Chêne en Allemagne ont trouvé des biphényles polychlorés dans les perles de tapioca. Ces produits sont connus pour causer le cancer, peut causer le cancer chez les animaux, affecter le système immunitaire, le système nerveux et le système endocrinien. 12. Le tofu. Ce produit d'origine chinoise est issu du caillage du lait de soja. Pour une fermentation rapide, les fabricants utilisent des excréments et du sulfate de fer. 13. Le gingembre. Une enquête lancée en 2013 a montré que le pesticide Aldicarb, approuvé pour être utilisé uniquement sur le coton, les arachides, les roses et les patates douces, était également utilisé pour le gingembre. Les agriculteurs l'appliquaient 3 à 6 fois au-dessus du niveau recommandé. 14. Ginseng. Des pesticides classés comme extrêmement dangereux par l'Organisation mondiale de la santé ont été utilisés sur du ginseng dans 9 villes en Chine. 15. Les aliments en conserve. En 2014, des pêches en conserve provenant de la Chine ont été testées. Elles contenaient 2 fois de plus la quantité de plomb autorisée. Dans la même année, le service de recherche économique du ministère de l'Agriculture des États-Unis a constaté que les fermes pisciculteurs et les transformateurs de produits sont situés à proximité des zones industrialisées où le sol, l'air et l'eau sont contaminés. 16. Les épinards surgelés. En 2002, les responsables de la sécurité et de la santé au Japon ont constaté des niveaux élevés de pesticides dans les épinards congelés. 17. Les crevettes. Pour assurer la survie des crevettes, des agriculteurs utilisaient des antibiotiques et des produits chimiques non autorisés.
30 échantillons de crevettes achetées en Chine ont été envoyés à un laboratoire de l'Institut pour l'environnement et la santé humaine de la Texas Tech University. Résultat, des antibiotiques, l'érofloxacine, le chloramphénicol et la nitrofuranzone, interdits aux États-Unis et dans d'autres pays pour leur effet cancérigène, ont été utilisés dans l'élevage des crevettes. Pour ne rater aucune de nos vidéos, cliquez sur le bouton abonner sur la page Santé Plus Magazine, puis cliquez sur voir en premier. Ne manquez plus aucune de nos vidéos.